entends, Kevin? Ils se demandent s'ils doivent attendre leurs amis pour nous coincer entre deux feux. Comme c'est intéressant. Ok, écoutez, mon ami. Avec plaisir, Adrien. Les renforts sont à plus de deux jours de marche. Ils ne s'imaginent pas tout de même que nous allons rester ici à les attendre. Ils vont aller sur la peau d'insectes, ils vont pas comme nous. Ils ne se décident pas à traverser la rivière, je vais aller leur donner un coup de main. Je n'ai jamais connu un guerrier plus téméraire. Je capte une odeur de feu. Est-ce normal? C'est l'œuvre de mon audacieux et inconscient mari. Il veut forcer les insectes à traverser la rivière. Les tanettes se cachent derrière les arbres, mais ils n'avancent pas. On dirait que ça va te faire prolonger, comme les larves. Et on dirait qu'ils ont peur du feu, contrairement à leurs congénères tout noirs. Ça vient de collater, dans notre tête. Je veux toujours rêver. Par tous les yeux, ils sautent par-dessus la rivière! Il faut prévenir les autres groupes! Bridges, Ariane, Santo, attaquez! Abattez-les avant de tomber les autres! Est-ce qu'ils ont à nous dire? Le dragon s'est posé là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Diane? Où t'es-tu passé? Elle ne me croirait même pas. Il n'y aura plus d'insectes à manger. En quoi consistera sa nouvelle diète, selon toi? Parlons-en, là. Tu es prêt à remettre notre sort entre les mains d'un enfant? Le dragon semble mieux obéir. Utilisons-le à notre avantage. Stéphane est fatigué, alors on nous embête en fait. Non, arrête-moi! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est compliqué d'expliquer, maman. Tu n'es pas en manque d'amour actuellement. C'est bon, pour faire une histoire courte, j'ai jamais stické Stéphane. Et en allant nous faire son mal, j'ai entendu la peine de détresse de maman. Comme un chevalier sur le bord. Mais tu n'as que 9 ans. Mais je serai un soldat. Continue. Je vous jure que je vais apporter bien mon château. Elle a insisté pour venir. Il faut joindre alors. Nous voilà. Il ne pas qu'il est beau, mon dragon. Cet animal appartient à l'empereur. Plus maintenant. Est-ce que je peux le garder? Tu vas bien mourir pendant un moment. Moi bien, ne fais pas ça. Moi, je vous suggérerais de bien l'affamer avant le prochain affrontement pour qu'il puisse se nourrir de scarabées bien frais. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, je vais à sa porte. Il pourrait tout aussi bien massacrer des humains. Je suis sûre qu'il prépare les cœurs de scarabées. On n'aura pas le dernier mot avec lui, Falcon. Il est aussi têtu que Fabien. Il nous enseigne à nous battre pour nos convictions. Qui commande